Donc nous sommes de retour sur Subsistance. L'épisode, je ne sais plus, 18, 19, 20. Aucune importance. Par contre, ce qui est important, c'est que nous sommes au mois de novembre. Et au mois de novembre, logiquement, on commence à se les peler un petit peu. Et il y a aussi du coton à trouver. J'en ai pas trouvé au mois de septembre. On verra bien si j'en trouve au mois de novembre, voire au mois de décembre. Là, il faut que ça remonte. Hein. Je n'ai plus de crochet. J'ai pas de crochet, très bien, accordé. Accordé si je n'ai pas de crochet, ça m'embête un peu car j'aime bien avoir un crochet sur moi. Mais là pour le coup, il va me bouffer 75. Ouais. Ça, je dépose. Le carburant, on est bien. Là ça s'est éteint donc ça pourra remonter. Mais en même temps, il faut que ça me fasse. Il faut que ça me crame tout. Là j'ai l'impression qu'il y a du vent. On va aller voir ce que ça donne au niveau de l'éolienne. Donc. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, il fait pas de vent. Il est pas bien orienté. On est d'accord. Donc, on va le démanteler. Enfin, le déplacer. En espérant trouver un emplacement qui lui convienne. Comme ça. En fait, j'ai l'impression que ça sert à rien de le changer de sens. J'étais persuadé que, pour le soleil, c'était important. Mais visiblement, pour le vent. Pas du tout. Bon, très bien. D'accord. Je voulais vérifier mes petits oignons. Oui, car la dernière fois, en fait, on a oublié. Enfin, surtout moi. Voilà, j'ai oublié mon omelette. Ma galette de pommes de terre, elle est là. Bon, je vais pas la goûter, hein, je vous le dis tout de suite. Mais au final, on est comme des truffes. Car je voulais en manger. Donc, on va laisser pousser tout ça. J'ai ramassé le coton. Qu'on avait. On sait jamais. Ce mec arrive en parachute. Ici on est comment? Je vais reprendre 2-3 carottes. 3. Allez. Je me remets bien avant de partir. Un petit comme ça. Et on picole. Je remplis. J'ai une poule ou pas? Non, j'ai plus rien. Allez. Bouffe tout. Bon, alors tu bois tout. Tu bois tout de toute façon. Faut que je remplisse les gourdes. Donc quoi qu'il arrive, le temps sera le même. D'accord. Faut que je me rappelle des boutons. On a 29 flèches. Donc le but aujourd'hui c'est de déjà faire un crochet. Ça on est d'accord, je crois qu'on a compris. Mais faut qu'on avance. La foreuse, est-ce qu'on la ferait pas la foreuse? Car j'ai bien envie d'aller taper des bases pour récupérer leur coffre. Mais en même temps, je me dis qu'il faut déjà qu'on soit peut-être bien armé, bien équipé, qu'on puisse aller en profondeur dans les lacs. En fait, ça m'intéresse plus que d'aller taper des blaireaux. Quoi. Les blaireaux nous attaquent en vengeance, déjà, ça suffit amplement. Donc pour l'instant, on va faire ça. Alors soit, ça il en faut combien? 2. Ouais, c'est un réservoir d'eau. C'est la station de plongée qu'il nous faut, ou le distillateur. On peut faire de l'alcool. Tour d'outillage. Fabrique des objets mécaniques avancés. Il y a ça aussi qu'on peut faire. Hein. 2000 et 250. Alors je peux pas y monter. Hein. 2000 je peux, mais 250 pas encore. On va déjà faire tout ce qu'on peut faire. Je vais récupérer l'eau déjà. Ça c'est avant d'oublier. Et ce qu'on peut faire, c'est... Ça c'est fait, ça c'est fait. Amplificateur, on le fait pas pour l'instant. Radiateur, climatiseur. Ouais, ça c'est vraiment du luxe hein, parce que pour l'instant, en hiver, on se met près du feu et en été, on s'en éloigne. La foreuse. Des types de minerais spécifiques. Alors ça, est-ce que ça... Ouais, mais le problème c'est que ça va me bouffer de l'énergie. Si je produis rien avec mon éolienne et puis avec mon panneau solaire, c'est la misère. Et je ne sais pas combien ça prend. Ouais, on va faire la station de plongée. Donc il en faut 4. 4 circuits imprimés. Et je crois que je vais commencer à lancer en off. Je ne sais plus. Hein. Non, j'ai rien lancé du tout. Donc il faut qu'on lance des condensateurs. 4, il m'en faut. Aïe. 4 et c'est 2. 2 condos. Ça fait 8. Il faut que j'en fasse 8 de chaque. Donc on me rappelle ce qu'il faut quand même. Perle. Lithium. Silicium et obsidienne. Alors du coup j'ai bouffé tout ce que j'avais en ressources d'énergie, mais c'est pas un problème.
Donc là on en fait 6, c'est ça? 2, 4, 6. Alors faut 8! C'est 8 qu'il faut. On est d'accord? 4 cartes mères. 1, 2, 3, 4. Ça je peux en faire combien? 1, 2, 3, 4. Et c'est 8, hein. Donc là je peux en faire 2 déjà des cartes mères. Super. Super. 2. Encore 2. Voilà, je fais à fond, c'est pas grave, tant pis. Paf, donc il va me faire des perles. Perles et de l'obsidienne. Ouais, l'obsidienne, j'en ai pas trouvé tant que ça. Ok. Let's go. Donc là, forcément, on a la rue. C'est sûr et certain. 37. Ouais, ce qui va se passer pour 37, c'est que là, je vais. Ouais, je vais laisser faire. Là, ici, on est pas mal. Là, on n'a plus rien, mais ici, je crois qu'il m'en reste. Un petit peu. Ouais, j'ai pas mal fermé les. J'ai pas mal fermé les ours. Allez, on est parti. Oh là, par contre, la pioche. Ah non, mais par contre, je repars pas tout de suite. Mais non. Faut déposer avant. Faut pas prendre le risque. Mais non, mais dans l'autre sens, Maurice. Voilà. Et par contre, il va falloir que je me fasse une nouvelle pioche. Ouais. Je vais la faire tout de suite, ça sera fait. Obsidienne. On a dit qu'il nous fallait de l'obsidienne. Et pour l'obsidienne, forcément, elle est ici, l'obsidienne. Dans cette zone-là. En modéré. Ça tombe bien, vu qu'on ne l'a pas vraiment découverte. Voilà, on va contourner par là. On verra bien. Allez, go. Ah non! Viens là, la cocotte! Elle est où la cocotte? Eh non, comme ça, voilà. Hop! Ouais, trois beaux morceaux de graisse. Une poule. Ah, pas une poule, mais une. Un loup, c'est 3 flèches, 4 flèches, je ne sais plus. Bon, on s'en tape. Nous, on tue l'ours. On tue l'ours car il va bientôt hiberner. Ils vont me manquer. Donc voilà, j'en profite. J'ai toujours du mal, moi. Tac. On récupère la poupoule. Ah là je tente pas deux flèches hein, parce que dès que vous lui tirez dessus il se met à plat ventre. Il est difficile, très difficile de l'avoir. Ah, toutes les flèches ont pété hein. Il est où? Ah je l'ai eu. C'est bon. Ah dégage. Il y a un moment donné, il va falloir commencer à comprendre qui est le patron aussi. Bon, je mets 17 ans pour le tuer, mais bon. Au moins, il est tué. Là, par contre, ouais, j'ai vachement descendu en flèche. Hein. Bon, 17 encore, quand même, malgré tout. Hein. Donc là, maintenant, qu'on est peinard, en tous les cas, dans ce coin-là, on va essayer de trouver de l'obsidienne. Logiquement, c'est facile à trouver, car c'est quand même des grosses taches noires sur les rochers. On est bien dedans, hein. Ah non, on n'y est pas encore. De toute façon, faut qu'on aille par là. Nous. On va faire toute cette rangée. On est sur un petit 9 degrés. On est bien. Je peux pas monter. Je ne peux pas monter. Si on peut monter. Ah! Une mine! Paf! Je suis allé la chercher ici quand même. Ah là 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 là, mais
Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Il s'est barré? Mais il est parti où? Ah non, mais j'ai quand même perdu 3 flèches. Pas pour rien quand même. Il est où? J'entends. Voilà, dégage. Petit, il a cru qu'il allait pouvoir partir comme ça, sans compensation. Non, désolé. Non, je suis en train de perdre de la vie. Ah, c'est pas mal, hein. Le cochon, il faut les faire. Là, c'est vrai que 2 pour 3. 3 flèches. 3, 4 flèches. Ah, tiens. Un museau de truite. Il a un camp ou il a juste un feu de camp? Il a juste un feu de camp. Faut que j'arrête de perdre de la vie, en fait. Ah, je peux pas l'attaquer. Ah, j'ai 19 de vie. Tu veux faire quoi avec ça? Bah, tu fais rien. Et tu fais rien. À part si j'arrive à mettre une tête d'ici. Possible, hein? Ah, il m'a vu. Oh, sérieux! Deux cartouches de foutu. Et là, il me touche, je suis mort. Hein. Bon, il m'a touché, j'ai failli crever. Mais bon, je pouvais pas laisser ça comme ça. J'espère qu'ils sont pas deux. Ah, je prends le FAP. T'as raison, au cas où. Allez, fais-moi cuire ça et ça. Je vais faire un peu de bois en attendant. Mais 5 cartouches pour un chasseur, oui. Pas terrible. Hein. Quand je peux le fumer en une seule cartouche. Bon, c'est pas grave, on va s'en remettre. Hein. Non! Mais sérieux? Ouais, je sais que je suis assez loin, mais quand même. Oh! Vite! Donc ils étaient deux les mecs. Très bien. Non! On va récupérer l'huile plutôt. On va faire ça comme ça. Là je vais manger les deux. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Et là, je ramasse ça. Et j'éteins. Très bien. Je vais aller voir là-bas. Toujours dans la zone ou pas? Oui. Toujours dans cette zone. Donc là, c'est une zone très très froide. Hein. Peu de végétation. Alors bon, peu de végétation, il pourrait compenser avec des minerais. Et visiblement, ils ont décidé de ne rien me donner, de ne rien lâcher. Ah, c'est pas terrible hein. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va se nettoyer les mains et picoler un coup. Voilà. On va commencer à être en carence de fruits et légumes. Ah, parfait. Il y a une caisse là-bas.
une deuxième caisse un peu plus bas. Ah, faut tout prendre. Tant que je tombe pas sur une caisse militaire, ça va. Ah, je veux pas être dégoûté. Par contre, elle était où? Là. Ah, c'est chaud, hein. Ah, c'est une grosse mission. Et paf. Et sur le retour, faut qu'on se fasse un étang ou un lac. Là, celui-ci. J'ai pas autour d'autres bases pour trouver au moins deux perles. Ouais, c'est ça. Un nounours? Se paierait-on pas le luxe? On s'en fait un petit dernier. Dans le fion. Et en plus, il va m'accompagner en bas. Oh, il est mignon. Il est adorable. Non, mais non, 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 non. Tu fais n'importe quoi. Oh, il y a une caisse. Par contre, celle-là me le faut. On tourne. Je tourne un petit peu. On tournicote. Il y a quoi? 76. Ah, c'était chaud. Ah, mais j'ai tout fumé en plus. Ah, du coup, je tourne en rond depuis tout à l'heure. Je sais même plus où est la caisse. Ah, si, elle est là. Paf! Dans la tête. Le vent commence à souffler fort quand même. On va se dépêcher de rentrer. La nuit tombe. On va prendre, on va prendre. Je prends tout. Vas-y. T'as pas peur, tu tapes. Ok. Y'a pas une seule moule ici? Oh sérieux? Il nous faut de la moule d'eau douce. Là-haut peut-être. Ah, vraiment en bordure. Hein. Je regarde qu'elle soit pas cachée derrière un rebord. Dans un recoin. Non. Ça ne sera que du grès. Pas de perles. Allez, rentrons nous mettre à l'abri. Là, 819 à monter, c'est très bien ça, dis donc. Oh, c'est super. Donc là, il n'y a plus rien. Ouais, un petit, voilà. Histoire 2. On rallume. Ah, on met du bois. Je balance les deux steaks. 9 graisses. Ah, qu'est-ce que je peux lancer d'autre? La poupoule, elle est morte. Très bien. Je vais remplir les gourdes. On va chercher les perles. Au lever du jour. Bon, écoute, je range. Je range un petit peu. Je m'organise et je reprends après. Et oui, et voilà, bien joué. Qu'on se fait un petit crochet, important. Très important. Ça a remonté, on va repartir de toute façon. Ça c'est pas un problème. On va récupérer ça ensuite. Tac. Le petit crocro, le petit crochet. Ça c'est fait, ça je becte. Ça sera pas suffisant. Il va me manquer de la carotte.
Peut-être une pomme de terre. Un peu d'eau. Paf. Ah, les deux même. Voilà. Donc les flèches ont été faites, j'en ai fait 18. J'avais 9, 9 plumes. Ah, c'est plutôt une bonne chose, ça m'en fait 26 ou 1. Ah, ça... 26, hein, je pense. Ok, dépêche-toi, Maurice. Les fibres. J'ai des potes là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Est-ce que je prendrais pas. Je regarde hein, ce que je peux faire. J'en mange un. Je vais vraiment être au taquet. Je vais peut-être prendre des barres protéinées. Ça ira bien. Ok. Ouais, c'est vrai que j'étais parti par là. Hop. Tac, tac. Et on va repartir. Alors là, on a un truc qui s'est écrasé. Qu'est-ce que c'est? Un avion, certainement. Mais où? Que dalle. Ok. Donc nous, on va repartir. Je vais faire la journée en off. Je vais quand même laisser la caméra. Comme ça, si on se fait attaquer par vengeance, vu qu'on a, on a tué des chasseurs, mais bon, c'était des itinérants, donc j'y crois pas trop, on sait jamais. Donc il se passe un gros truc, comme ça, c'est enregistré, et je le balance à la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite. Y'a un mec qui me suit. S'approcher d'une base un peu trop près. D'où? Le mec il arrive à me toucher. J'en ai pris une petite. Heureusement tout va bien. Réparer deux cordes. Je vais faire des cordes. Bon, j'ai risque d'être attaqué par vengeance. Il me reste 4. Je voulais pas en croiser un seul. On en a croisé un. Là, on a du loup. De l'ours. Comment ça gelé? Je n'ai pas croisé. Je n'ai pas trouvé encore de coton. J'ai trouvé un oignon. Et là une carotte. Là c'est pas terrible, je la corde. Ah par contre là, je prends. Ça ça a cassé, mais c'est pas un problème car on en a fabriqué une autre justement. Paf, ça c'est fait. Ah mais il y a des caisses partout. Sans une. Non, c'est même pas une caisse. Ah si, c'est une caisse. Oh, puis c'est une caisse militaire. Génial. Allez hop, on ouvre ça. Caché dans les fougères. Allez, petit malin. Plaque de verre, c'est cool. Du bois, des cartouches de fusil, c'est bien. De la... Oh là là, du biocarburant, parfait. Ouais. Ça aurait pu être mieux. Mais, c'est pas mal. Il y en a une. Vas-y! Mais il me fait quoi? Il me pique ma poule! Sérieux! Ah, c'est la meilleure! En début de l'espèce, je m'étais fait piquer un poisson par, par un rapace également. Et là, l'autre, il vient piquer ma poule. Et ma flèche! Oh, je suis deg. Bah, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Hein. Je suis choqué, ça m'a choqué. Un fourbe! L'autre, il attendait.
vous tuez une poule, vous foncez sur elle avant de faire autre chose. Ah, je suis dégueu. Ah, génial. Voilà, super. Rien ne va comme prévu. Ah, j'en mets les pinceaux avec ces touches. Tout ça pour une caisse. Ouais, par contre, peut-être se soigner. Ah, décidément, le fait qu'on soit jamais venu ici, il y a des caisses de partout. D'ailleurs, on est où? On va remonter un peu. Il est où? Oh là, oh là là! Allez, dégage Maurice. Dégage, dégage. Ouais, c'est barré. Alors si c'est barré, on poursuit. Là, il y a un ours. Ça pourrait être le dernier. Le dernier avant l'hiver. Donc là, faut pas que je me fasse toucher sinon je meurs, hein, direct. Hein. Ah, une poupoule. Laisse tomber. Laisse tomber la poule. Oh! Trop tiré 50. Sérieux? Même pas 50, 41, il faut 3 cartouches. Eh ben. On a failli passer à la trappe. Hein. Peut-être qu'il se fout de moi là. J'entends, il est en train de se moquer. Ouais, je vais la faire. Vite, vite. Donc le rapace arrive. Mais prends-la, la poule. Ah. Ouais, je suis en panique déjà, là. Manger trop fruits et légumes. On poursuit. Je trouve un lac. Une petite rivière pour me nettoyer. Allez, je fais celle de gauche et puis après, je pense qu'on va ranger. On va plier les gaules. Et on va rentrer. Je lui ai fait une tête. Calme-toi, Maurice. Vas-y! Bon. 6, vite. On bande. Ouais, non, mais c'est chaud.
J'ai fait un peu de la crotte, mais c'est pas grave. Principal, c'est de le vider. On mange. Il y a quoi récupérer? Une côte, des tendons, un foie. Ah, faut tout prendre. Faut tout prendre. Alors le souci, c'est que ça, déjà, je peux armer. Voilà, on récupère un morceau. Et là, ça, je m'en fous. Tac, voilà. Allez, on rentre. On rentre car le bonhomme l'a quand même mal en point. Un ours. Un bonhomme. Ah, il m'a vu, ça y est, sérieux. Ah, mais il y a une base là! Voilà, c'est bien ça. Ça, c'est un, mon gars. À ce qu'on appelle se faire aider. Il m'a aidé. Hein. Donc là, il a fumé où? Non! Mais non! Ah, c'est pas vrai! Mais grosse truffe! Ah bah vous êtes beaux tous les deux. Ouais mais non, mais c'est pas normal ça. Réapparaître. On est où? Loin ou pas? Non ça va. Ça dégage. Ça va être immense leur base. Tout prendre. Là j'ai jeté quoi? Fusil à pompe? Jette ça, c'est bon. Pose le pull. Steak, côte. Là, ça m'intéresse. Tout prendre. Bah, ça, ça dégage. Huile de pois, c'est quoi ça? Ah, et de poisson, d'accord. Ok, allez, on s'en va. Allez, on arrive. Vite le feu. Le bois, il est où? Paf. Bien. On ferme. Donc là, on est à la maison. Et on est bien. Ça, je vais la garder. Je vais la garder parce que... Parce que déjà, bah, si j'ai envie... Pas mal. Allez, je vide tout. 1271 et 100. C'est pas terrible, mais il faut combien? 200. Ouais, 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 c'est pas évident. Je vais pas allumer hein, exprès. Je vais aller voir déjà si les compos sont faits. On a quoi? Ah, je peux prendre les oignons. Paf, on en a combien? 3. Comme d'hab, je récupère une graine. Ça m'en fait 2. Patate, je peux récupérer. Ouais, je fais une graine. Une graine, j'en mange une. Là, je remets. Je remets la graine. Hop. Ici.
Ouais, je sais, c'est sale. Mais je peux refaire une omelette. Ou alors, ah, on va se faire un petit foie oignon. Là, c'est bien ça. 4 en énergie. Pourquoi pas. Parti. J'ai réparé mon arc. Quoi? D'accord. Normal, hein? Réparer. Là, le fusil, pareil, il faut que je le répare. Oh, j'ai failli oublier ça, moi, dis donc. Trois planches, bon ça sera là. Réparons. Soyons prêts pour les représailles. Si jamais il y en a assez vite, on verra bien. Là, il me faut un petit peu à bouffer. Je vais refaire chauffer deux fois. ...1254. Je vais balancer toute la fibre que j'ai. Ça suffira pas, hein, je vais le dire tout de suite. Mais bon. On est quand même à 152. Ce qui est plutôt une bonne chose. Il me faut 200 de toute façon. Et 1200. Les 1200, ça va se faire. Normalement. Les planches, on les a. La ferrion, là, ce sont les cartes mères qui vont manquer. L'obsidienne, j'en avais refait, je crois. Oui. Tac. Ça se dépose. Regarde ça à l'étage. C'était 8 qu'il fallait de chaque. Hein. 8 de chaque. Donc là, il va me manquer une perle et du lithium. Ah mes perles, j'en ai pas récupéré. Et non, je n'en ai pas récupéré de perles. Ah là 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 là. Catastrophe. Catastrophe. Ah j'ai zappé. On va aller la chercher. C'est mon fouquin. Par contre ça, il me faut deux perles. Deux perles. Allez, on y va. Le jour se lève. Entre les diarrhées. Les fois, les fois, les fois. Ok. Entre les museaux de truite arrivent. Et tu picoles, vas-y, picole, picole. Il fait zéro. Bah, normal, on est au mois de décembre. Aïe. On a une tolérance à moins de 5. Donc ça va. Et par contre, il me faut des perles. Allez go. Il y en a peut-être une là-bas, une perle à gauche. Ouais, c'est même sûr. D'accord, vas-y. Il veut pas se mettre, hein. Allez go. Ça en fait une. Qu'une. La seconde est ici, impeccable. Voilà, on va pouvoir finir les cartes mères. Circuit imprimé, le play comme vous voulez. Là, un quatrième. J'essaie les antidotes, hein, mais bon. Allez, on rentre. J'ai sans taquin les chasseurs. Très taquin. Faut qu'on s'associe une protection renforcée pour la porte. C'est la seule qui manque sur le devant.
Pour l'instant ça va, pas de représailles. Ok, les perles sont là. Allons fabriquer des condensateurs, je crois que c'est ça. Hein. Condensateur, il m'en faut deux. Hop, voilà, ça, ça va être fait. C'est chaud là, attention, c'est très très chaud. Donc, ceci étant fait, 12 ferrailles et 10 planches. Par contre, ça va me bouffer bah, toute l'énergie. J'ai beau vouloir remonter, ça en bouffe quand même. Ah ouais. Vas-y, allume. Donc là. Circuit imprimé. 48, il m'en faut. On a ce qu'il faut, oui. Donc, carte mère. 1, 2, 3, 4. Ça va bien baisser. 805 et 69. Ah oui, bah oui, forcément. Forcément. On va se faire l'antidote. Non, on va en prendre un, on en a deux. Utiliser. Tac, voilà. Alors. Récupérons les circuits imprimés. Et ici, forcément, j'ai tout sauf l'énergie nécessaire. Voilà, 1200 et 200 qu'il me faut. Autant vous dire que c'est pas évident. Ça, j'éteins, ça sert à rien, ça remonte tout seul jusqu'à 100. Ah, j'en mets un peu. On en refait 23. C'est bien. Je redépose tout ça. Ça pareil, je dépose. Est-ce que je peux m'en servir là-dedans? On peut mettre. Mais bon, ça fait pas énorme, énorme. 48, c'est mieux. Allez, mange. Voilà. Oh, je lui donne tout, c'est pas grave. Ça. J'extrais une graine. Voilà. Les oignons, je les récupère. Ah, faut qu'on récupère notre préparation. Elle va pourrir sinon. Ouais, je le ferai après ça, vite. Oui! Au frigo. Ah, alors ça donne quoi ça? 35 en protéines, 17 en légumes, 40 faim, moins 6 à l'hydratation. Ça c'est beau, c'est très très beau. Donc là on en était où? Et on en était avec l'oignon, extraction de graines. Voilà. On remet un petit peu d'engrais, un petit peu d'eau. Là ici, carotte, je pense que j'en ai deux. Même c'est bizarre hein. Ça me semble bizarre. Ah, si j'en avais une dernière et une patate. Tac, il faut que ça pousse hein. Ça c'est fait. Et le problème c'est que la production se fait mais d'énergie. Mais en même temps j'ai des choses à faire qui en demandent donc c'est un peu le problème. Là genre je pourrais refaire une préparation. Voyez-vous? Bah oui. Je vais la faire. Ça va me pouffer Ça je peux les faire ou pas? Deux œufs, un steak. Je pourrais. Du miel je n'en ai pas. Patate carotte j'ai, l'entrecôte j'ai. Côte de porc. Ah je suis pas sûr. De miel, ouais, mais le miel je l'ai pas. Je sais pas comment le récupérer, est-ce qu'il faut taper dans l'arbre tout en se protégeant? J'en sais rien en fait. C'est le problème, donc si vous savez, dites-le moi, n'hésitez pas dans les commentaires.
Ça m'intéresse énormément. Énormément de savoir comment faire. Parce que j'essaie de tirer avec des flèches dans les seins. Bah, elle est pas tombée. Le lithium, c'est ça. Forcément, ça m'en a fait que deux. L'obsidienne, il va m'en falloir encore. Tout ce qui est silicium et lithium, c'est bon, j'ai bien récupéré. Non, on est bien là. Donc, lui, par contre, c'est 200, c'est ça? Ouais, 200. Bah, 200, on n'y est pas. Hein. 55, il faut. J'essaie de récupérer un peu de bois. On récupère. Voilà, j'en aurai deux comme ça. Si j'en ai trois des côtes. Et mange deux. Je voulais faire quoi? Je voulais faire... Oui, mettre ça. Ah, si je peux monter à 200 avec ça. Ouf! Trop! Ouais, il faut 55. Il va peut-être plus simple, hein, mais bon. 55. Paf! Pas de gâchis. Quoi? Je préfère. Je te menace pas, hein, mais attention. On remet ça. Le problème c'est que... Ouais, j'aimerais faire mes feuilles d'alliage, mais j'aimerais bien faire aussi ce... Cette fameuse station de plongée. Ou le distillateur. Ou la fourreuse. Ah, c'est long, hein. Alors je pourrais refaire des générateurs comme ça, 2-3. Balancer 5-6 biocarburants dans chaque. Mais bon. Ah, j'ai les fers, c'est ça, agace. Deux. 5 et 10. On va le faire, parce que voilà, il faut quand même le faire. Il faut quand même se protéger de ce qui arrive. Ouais, je vais fermer, c'est pas grave, je reste dans le coin. Je vais pas aller bien loin avec la neige. Le temps que ça remonte et puis je vous reprends à la fin. On craft ensemble la station de plongée, puis voilà. C'est pas compliqué, hein. Y'a vraiment pas besoin de se prendre la tête. C'est tellement simple. Tac. Donc là, il va me manquer donc le lingot de métal qui est en craft, hein, en préparation. Allez, on se dépêche. Voilà. Ici, mur en verre, ça se positionne tranquillement. On est à descendre à combien? Enfin, j'allais faire un peu de bois. 30 bûches il faut. On va aller faire ça après. Non, faut que j'ai installé. Hop. Oh, ça tourne, dis donc là. 006, mais. Ça tourne. Je fais 0,10 de plus, c'est bien. Oh, c'est génial, franchement, je vois pas l'intérêt. Hein. Mais bon. Tac, voilà. Tout doucement, ça se fait. On se protège. Tu descends ou pas? T'as pas envie? Bah écoute, il va falloir quand même descendre. Voilà. J'ai quoi? J'ai plus rien. Si j'ai mon arc, je le remets. Je vais le mettre là. Ça, on avait dit comme ça. C'est ici. En 6. En 6! Bien sûr. Allez, c'est parti. Allez. On se rentre à la base. Tac. Personne. Un loup, il y a un élan là-bas. Très bien. Ici. Oh, de toute façon, ça va arriver de là. Hein.
Ça arrivera de là forcément. Ok. Donc là, ouais, j'ai fait deux petites poules. Pas grand chose de plus. Un peu de fibre. Le bois, j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, j'ai regardé 30 pour en haut. Ça monte doucement, hein. Doucement. Peut-être pas assez vite, mais c'est pas grave. Non, c'est pas là. Ici. Tu balances les 30. Ok. 821, plus que 400, à peine. La graisse sera ce qu'il faut. Là, je vais remettre des bûches. On est courant. On rebalance. On rebalance, il faut que ça y aille. Hein. Allez. Ça, je vais le dépoter là-dedans. Très bien. J'ai 4. 4, voilà. Par ça. Oh là, du coton il faut pour réparer. Je vais peut-être attendre un peu. Ça faut quoi? Ok, ça c'est bon. D'ailleurs, en fringue. La veste hivernale. Oh, 4 tissus embourrés. Non, mais c'est. Est-ce que c'est une blague? Ne serait-on pas en train de se moquer de moi? En faire 3, il en faut 4. Il en faut 4 et en plus j'aurai plus de coton car après il faut encore des cotons. Il en faut 6 après. Ouais, c'est insensé ça. Insensé. Donc là, plus rien. Ouais, j'attends. J'attends que ça monte. J'y retourne. Là, tout va bien. Tout va bien. Je n'ai pas repris de viande en partir de protéines. Ouais, lâche-moi, toi. Je pisse le sang. Catastrophe. Ah, c'est une horreur. Une horreur. 1200, on peut le faire direct. Je récupère les trucs. Je sais plus ce qu'il y avait. Il me fallait ça, ça. Ça et ça. Allez, on lance ça. C'est parti. Ah oui. Ah, faut y aller là. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est bien ça. Les gourdes. Ah, je suis toujours vigilant parce que je sais que les autres blaireaux n'ont pas tardé à venir. Quand, j'en sais rien, mais ça sent. Ça sent une attaque. Hein, donc je me méfie. Tac. En fait, y'a personne. Puis au pire, s'ils arrivent par là, j'ai un loup. Y'a un loup qui est là, il les attaque. Ouais, on va être bien. La nuit se couche. Le jour se couche, la nuit se lève. La station, elle est prête. Nickel. Bon, ça m'a bien mis dedans. 137, 138. Ouf. Alors, on installe où cette station? Là. Oh, c'est cool. Donc, on fait quoi avec ça? On fait un canne d'équipement de plongée. Oh là 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 là, les tissus rembourrés, sérieux.
Bon. Bah, elle est belle, hein. Il est surbourré. Bon, faut 5. Ah, ça y est, ça arrive. Ah, c'est pas possible. Fusil. Il y en a deux. Ah, ils sont équipés, les mecs. Oh. Ah, j'ose pas tirer, ils sont en mouvement, là. C'est la misère, à chaque fois, je les rate. Allez, go. Ah, du rasque. Ah, d'accord, c'est parti, ça attaque. Ok, j'en ai déjà eu un, ça c'est cool. Ça, je l'ai raté, sérieux. Et lui direct. Pleine tête. Ouais, yes. Ouf. Ok. J'ai pas eu de saignement, j'ai de la chance. J'ai récupéré une cartouche. C'est pas mal. Et là. Une deuxième cartouche. Ouais, ça va. J'aurais préféré mieux. Je pensais avoir mieux. Vu que c'était des mecs hyper stuffés avec des combinaisons. Les mecs, ils sont deux, ils foutent rien. Ils ont déjà des casques. Moi, j'ai un casque aussi, mais ils sont arrivés bien après moi sur la carte. Ils ont déjà des combinaisons de protection pour le froid. Tout va bien, quoi. Tout va bien. Allez, bon, donc, comme ils nous ont attaqué, là, on va pouvoir se déconnecter tranquille. Je suis à 0 en cartouche, ouais, par contre. Là, faut que je les remette. J'en ai 2. Tac. Et le FAP, je peux les ranger. Bien. Le VAREC, on va le mettre là. On sait jamais. Ça. Non, c'est pas là, c'est ici. Là, pareil, donc avec ça, je vais pouvoir commencer à faire quelques biocarburants. Je voulais faire quoi? Ouais, je voulais faire ça, moi. Il faut 3 plaques, hein, c'est ça? 30, ça ferait 90. 90 et 30. Ouais, sauf que j'ai pas assez. Oui, je n'ai pas assez. Donc, comme on dit, ce n'est pas un problème. On divise en 2. On redivise en 2. Ouais, d'accord. J'en ai marre, ça toujours se casse la figure de l'autre côté. Allez, remonte. Remonte, Maurice. On va allumer. Donc là, j'ai récupéré ça. 36. Ça devrait le faire. J'espère. Après, il m'en faut 30. Hein. Je suis déjà à 17. Oh, non, ça mange pas de pain de tout mettre. Voilà. Tac. Comme ça on se fait les plaques. Les plaques c'est... Métal zinc. Hein. Enfin fer zinc. Fer zinc et... Et de la ferraille. Là je peux en faire 3 donc. 1, 2, 3. On repose. Comme ça on va pouvoir aller... Se reposer, dormir. Bon, on n'a pas de lit, mais bon, c'est comme si on le faisait. Hein. D'ailleurs, le lit, on peut pas en faire. Y a pas de lit. Ah, c'est dommage. Quel dommage. Bon, tant pis. On va peut-être en faire un après, on sait pas. Je récupère ça. Encore une. Bon, les 4 fibres, autant les déposer. Hein. Est-ce que je peux les déposer? Oui. Ça en fait 11. Je suis léger en fibres, j'ai tout placé dans le recycleur, donc forcément, j'en ai un petit peu moins. Là, je récupère la bouteille d'eau. Parfait. Les 3. Il me faut le marteau. On le prend, le marteau. Prends-le. Ok. Là, c'est parti. Nickel. 1400 et après un peu. Mais là ça va. Ouais, ça va. Le sol. On est comment? Ah, le sol a mangé un petit peu. Je vais faire ça et ça. Voilà. Il mange quand même. Mais non, mais Maurice, redresse-toi. Arrête de faire ta feignasse.
Là, on est comment? 650, 700, c'est bon. Oui, après ça va. Et là, le mur. Ah, le mur a pris un peu. Voilà, ok. Plafond, on est bon. Je vais aller voir les murs de verre, quand même. Là, ça va. Là, ok. Bon, je pense pas qu'ils aient pris, hein. Ouh, la vache! Ah bah lui, il a pris. D'accord, donc là, il me faut du verre. La deuxième. Voilà, on met ça à 600. Ok. Paf! Bien voilà. On va se quitter là-dessus. Sur ces petites réparations. On aura fait une troisième protection, on l'a renforcée pour la façade. Donc là, on est bien, on est protégé. On se sera installé donc la station de plongée qui va nous permettre de fabriquer l'équipement de plongée et le réservoir d'oxygène. Lui, facile à faire. Par contre, voilà, l'équipement de plongée. Un peu de zinc, un peu de fer, bon, il faut des cordes, mais il me faut surtout ça, 5 tissus rembourrés, et autant vous dire que pour les faire, il me faut du coton, et le coton, c'est pas tout de suite. Ah ça y est, le lac est gelé, nous sommes en décembre. Voilà, écoutez, si le contenu vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et également à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Merci à vous, et à bientôt.